Hello tout le monde, je vais crever de chaud. Je suis sous les éclairages et il fait 37 degrés dehors. Je vais fondre. Alors si vous me voyez briller, ne vous inquiétez pas. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la Sweet Sparkle Box qui s'appelle, dont le thème est, roulement de tambour, la Summer's Glow. Alors, j'ai jeté la boîte, j'ai ouvert le paquet, j'ai pas pu me retenir, je suis désolée. Et j'ai vu les produits et j'ai pu les swatcher et autant vous dire qu'il y a des choses qui sont... Alors, je vous ai déjà dit que j'aime beaucoup cette box. Je l'ai encore reçue via Octoly, donc ça, je suis très contente. Merci Octoly et merci Sweet Sparkle. Alors, en fait, vous avez à l'intérieur de cette box uniquement des produits de maquillage. Il y en a 5. Vous pouvez avoir des accessoires et du maquillage. Et c'est une box qui vient des États-Unis. Alors, franchement, moi, à chaque fois, j'adore cette box. J'adore cette box, pourquoi? Mais je vous l'ai déjà dit. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu mes autres vidéos, je vous invite à aller les regarder. Pourquoi? Parce que la Sweet Sparkle Box, en fait, l'avantage, c'est qu'il y a une cohérence dans les produits qu'ils mettent à l'intérieur. C'est-à-dire que vous pouvez créer un look entier où tout va ensemble, si vous voulez. Et ça, moi, je trouve ça vachement bien. Ce mois-ci, nous avons 4 produits et je vais vous les montrer tout de suite. On va pas rester jouer 36 ans. Alors, je pioche au fur et à mesure et je vous dis ce que j'en pense. Alors, on a reçu un fard à paupières de la marque Manakada. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la marque Manakada, la dernière fois, était aussi présente dans la dernière box. Il y avait à l'intérieur un fard qui faisait en même temps blush, highlighter et fard à paupières, et ce truc c'est une dinguerie. Je crois d'ailleurs que je vous en ai parlé dans des favoris, enfin dans des produits testés, et du coup quand j'ai vu la marque je me suis dit wow, trop contente. Alors vous avez à l'intérieur donc un fard cuivré comme ça, ce sont que des irisés, et un belle champagne. Et alors je suis relativement déçue, je vais vous swatcher, alors pas par le champagne parce qu'il est très très beau, mais par le marron. Je le trouve pas hyper pigmenté. Alors c'est très joli, c'est très glowy, c'est voilà, c'est très joli hein. Mais je m'attendais à mieux pour Manakada, sachant que j'ai eu un réel coup de cœur. D'ailleurs c'est le highlighter que je porte aujourd'hui pour le fard que j'avais reçu la dernière fois, et là bof, je suis un petit peu partagée, mais bon ça peut servir, donc pourquoi pas. Ensuite, alors ça, déception, parce que je n'aime pas les gloss, mais bon, c'est dans le thème, parce que c'est du glow, donc c'est dans le thème. C'est de la marque Eno Beauty, et c'est un produit qui normalement coûte 14 $, sachant que le Manakada coûte 19 $. Donc pour 19 $, je trouve que le packaging déjà il est cheap, il n'y a pas beaucoup de matière et la pigmentation est bof, donc oui, bon, Manakada là cette fois pas top. Je vais vous swatcher quand même le gloss, même si je pense que je m'en servirai pas du tout. En fait c'est un gloss tout simplement transparent avec des paillettes à l'intérieur. Rien de bien transcendant, donc là on est dans le thème, mais c'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement, donc voilà. On a reçu un petit pinceau éventail comme ceci. Alors moi je préfère les pinceaux éventail qui sont un petit peu plus grands, c'est pour appliquer en général le highlighter comme ceci ou sur l'arc de Cupidon comme ceci, c'est très très pratique. Donc voilà, moi j'en avais déjà un, peut-être qu'il était un petit peu moins fourni, donc pourquoi pas. Et c'est un pinceau, c'est de la marque Crown. Alors Crown c'est une très très bonne marque, j'avais déjà eu 2 fards à paupières dans cette box là aussi, et ils sont trop beaux, mais magnifiques. Donc 12,99 $ pour ce petit pinceau là. Bon, ouais, donc voilà, donc bon, ça servira peut-être. Je vous montre mon coup de cœur en dernier, parce que comme vous êtes des petites curieuses, autrement, voilà, vous n'allez pas rester jusqu'à la fin. Ensuite, j'ai reçu un blush comme ceci, donc c'est de la marque Elegan. Donc c'est un blush en stick, il est très très joli, c'est un rose doré. Il a des très jolis reflets. Alors attendez, hop, je sais pas si vous allez le voir. Voilà, il est juste là. J'ai un nouvel éclairage d'ailleurs, si vous pouvez voir que dans mon œil c'est tout rond, c'est parce que j'ai un grand cercle là, je crame, j'ai chaud, oh, c'est une horreur. Et pour finir, vous avez de la marque Icarie, et ça c'est mon coup de cœur, ça coûte 13 $, c'est, ils disent des pigments crème. La teinte c'est la teinte Mink, et alors ce truc, quand je vais vous le swatcher vous allez halluciner. Donc c'est présenté dans un petit pot comme ceci, hop. Icarie, voilà comment ça se présente. Et je vais vous swatcher la chose et vous allez halluciner. Préparez vos yeux, hein, ça envoie du steak. Regardez-moi cette dinguerie. Mais regardez-moi, regarde. Et ce fard, il est dingue. Il est dingue. Et vraiment, ça glisse tout seul, ça s'estompe tout seul. Mais regardez-moi ce côté métallique, il est magnifique quoi. Celui-là, gros coup de cœur, il est sublime. Je pense que même avec une base, on peut avoir quelque chose encore plus métallique. Mais alors, regardez-moi ça. Il est superbe, vraiment superbe. Donc bon... un petit peu plus mitigé pour cette box là, même si c'est cohérent, mais ça c'est parce que ce sont un peu mes goûts personnels finalement. Moi j'aime pas le gloss, donc voilà. Au niveau de la pigmentation des deux premiers, bon je suis un peu déçue par le cuivré, mais le blanc est magnifique, hein. Mais je trouve que pour le prix, en fait, Manakada, il se foule pas pour le packaging. Donc, et puis pour la pigmentation, peut faire mieux. Voilà. Le pinceau, pourquoi pas. Et le blush en crème, ça peut apporter, voilà, encore du glow au look en été. Donc ça, c'est sympa. Par contre, gros coup de cœur pour le Icarie, qui est juste topissime. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des produits qu'il y avait à l'intérieur de cette box. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais des très gros bisous. Je vous retrouve très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!